Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour... Alors attention, spoiler, attention, alerte. Bon, en même temps, vu le titre, hein, pour critiquer Action. Non, je déconne. Juste pour vous dire, en classe, j'en ai fait un, cinq. C'est pour juste pour vous dire les cinq produits que je déteste, que je n'aime pas, que je rachèterai pas, que j'ai testé et que c'est seulement mon avis. Alors, je préfère préciser auparavant tout ça parce que je sais très bien qu'il peut y avoir des personnes qui vont me dire « Ah, mais tu dis de la merde, ah, mais c'est n'importe quoi, moi j'aime, machin, machin. » Je ne dis pas que je n'aime pas Action parce que je vais à Action, je fais des cartes Action, des albums Action. Je vais acheter du scrapbooking chez Action. Bien sûr, je n'achète pas que du Action. J'achète aussi du Florilège Design si je peux, du Graphic 45 si je peux, du Stampin' Up, etc., etc. Il n'y a pas que Action, mais en fait, on va s'asseoir un instant. Hein, les vidéos Action fonctionnent, marchent beaucoup plus que celles des autres. Et aussi, le fait de faire une vidéo comme quoi, en fait, comment je peux dire ça? Réfléchis. Les gens, la plupart des personnes achètent du Action et c'est complètement normal, c'est quand même beaucoup moins cher que d'autres marques. Donc moi, au début, il y a 5 ans, quand j'ai commencé le scrap, j'ai commencé par acheter que du Action parce que je me suis dit, t'as qu'à faire à faire de la merde, ben, je préfère acheter de la merde dans le sens... parce que moi je crois que c'était que de la merde Action. En fait, pas du tout, il y a quand même des trucs qui sont super bien chez Action. Mais par exemple, le bloc qui vaut 2, alors à l'époque, peut-être que, je pense qu'à l'époque, il était moins cher que maintenant, quand même. Ben, je pense. Bon, on s'en fout. On va dire 2 euros, j'invente le prix, je ne me rappelle plus du prix exact. Le bloc à 2 euros, je me suis dit, ben, tiens, j'essaie de faire des cartes, des albums. Si c'est moche, ben, c'est pas grave parce que j'ai usé du papier à 2 euros. C'est ça que je veux dire. Actuellement, ben, dans mon dernier All Action, vous avez pu, j'adore la collection Over the Rainbow et même l'autre, hein, je ne sais plus le nom. Happy Day, je la trouve très fleurie, très bestiale, très raw, raw. Il aime ça là, la Flower Forever. Andante de Forever. Ouais, essayer de chanter de Miley Cyrus, mais I don't speak English et ouais. Voilà, donc en fait, j'avais envie de vous parler de plusieurs produits que j'ai pu tester chez Action et que je ne rachèterai plus. Donc, je précise encore une fois, ce n'est que mon avis. Après, si vous, il n'y a aucun souci, j'ai envie de dire tant mieux. En même temps, ce que je vais vous dire ne va pas changer votre vie et ce que vous allez me dire ne va pas changer ma vie, dans le sens que on s'en fout un peu, quoi. Moi, c'est mon avis à moi et c'est clair et net que je ne rachèterai pas toutes ces choses et encore, je n'ai pas tout marqué. Déjà, de base, il y a 5 ans, j'avais racheté le cutter chez un cutter extrait pour Action. Alors, il est vendu avec plusieurs petites lames. Au début, aucun problème, il coupe très bien. J'ai changé la lame assez vite. Pourtant, je m'en sers pas beaucoup, beaucoup, moi, du cutter. Donc, je dis, c'est pas grave, il y a des lames de rechange. Sauf qu'à force de dévisser et revisser, en fait, le cutter s'est pété. Je dis, bon, c'est pas grave, voilà. J'ai racheté quelque temps, donc il n'y a pas très longtemps, le cutter pour le retester. Franchement, il coupe, mais il ne coupe pas du tout aussi bien qu'un cutter qui coûte 1 euro de plus. Donc, je me suis dit, si c'est pour au final acheter quelque chose qui ne coupe plus au bout de, j'invente, hein, au bout de 20 utilisations, ben, je préfère dépenser 1 euro de plus. Et je dis bien 1 euro de plus, d'accord? Ce n'est pas 5 euros de plus, c'est 1 euro de plus. Pour quelque chose que je change moins la lame. Par exemple, j'avais racheté, j'ai le cutter de chez We Are Memory Keepers. Je ne sais plus le prix, donc je ne vais pas vous mentir. Et je ne pense pas que je l'ai payé. Je pense que c'était à l'époque où j'étais d'été chez le site Custo Déco. D'ailleurs, ils sont très gentils. Hein, vraiment, allez les voir. Ils sont vraiment très gentils à acheter chez eux. Ils sont vraiment très sympas. Et ils font de bonnes choses. Et le cutter, il fonctionne toujours. Voilà. Donc le cutter de chez Action, il coupe plus au bout de, voilà, au bout de très peu d'utilisation. Comme je l'ai dit encore une fois, c'est mon avis. Je vais arrêter de le répéter parce qu'en même temps, c'est un peu long. Non? Il y a le fameux double face. Donc,
Au début, moi tout content, il y a 5 ans, j'ai acheté double face, c'est pas cher, c'est très bien, je l'achète. C'est pareil pour. Alors, je sais pas si c'est pareil pour la mousse 3D, je me rappelle pas de chaque action, mais il me semble que c'est pareil. Pardon. Donc, j'avais acheté double face, j'ai fait un album. Oui, mon bébé, la Juju. Et. Oui, mon cœur. Mais oui, mon amour. Ma princesse. On fait des gâtés. Tu veux pas sortir? Ah, je pense qu'elle va faire bordel parce qu'elle a. En fait, elle a un panier. Un panier. Où elle met, où on lui met tous ses jouets à l'intérieur, il y a un panier pour dormir. Et en fait, souvent, elle sort ses jouets, en fait, c'est un coffre à jouets. Et elle joue avec ses jouets. Et là, je pense qu'elle est en mode, ça va faire du bruit, c'est la vie. En même temps, elle passe avant moi et avant les vidéos. Donc, ça fait du bruit, c'est la vie. Donc voilà, donc le double fat, donc j'ai fait mon album et en fait, genre, 2 mois après, tout s'est découlé. Mais pourquoi? Ben parce qu'en fait, double face de chaque son, c'est de la merde. Mais vraiment de la merde. Quand je dis de la merde, c'est la merde en majuscule. Voilà. Donc, j'ai quand même racheté il n'y a pas longtemps. J'ai quand même voulu réessayer avant de faire la vidéo. Je me dis quand même, je teste, je reteste. Franchement, c'est toujours de la merde. Ça colle rien du tout. Je sais que beaucoup de personnes mettent du scotch et après mettent le double face. Du scotch. De la colle et après du double face. Ben moi, en fait, j'ai la chance, bien évidemment, on va me prendre les foudres de tout le monde, d'aller dans des salons créatifs ou même d'aller à Cultura et en fait d'acheter des double faces. Donc, j'étais allé à Marseille, j'ai acheté 10 rouleaux, donc 5 rouleaux rouges qui collent super bien. Hein. Ça fait 5 ans qu'il y a des albums qui n'ont pas bougé. Et le blanc, ça n'a pas du tout bougé. Alors que lui d'action, ben en fait, il colle pas, quoi. Et si c'est pour faire une carte et l'offrir et que la personne, elle garde la carte, que normalement le but d'offrir une carte, c'est garder la carte, et qu'au bout de 6 mois, 3 mois, tout s'enlève, j'ai envie de dire, je préfère dépenser, franchement, je suis même pas sûr que c'est 1 euro de plus, quoi. Surtout que quand on achète beaucoup de rouleaux, enfin beaucoup, quand on achète 5 rouleaux, il y en a 2 offerts, non 10, je crois que c'était 3 offerts, un truc comme ça. Donc, franchement, ça valait vraiment le coup, c'était vraiment pas cher. Après, il y a le washi. D'abord, je rachèterai plus du washi tape chez Action parce que je ne m'en sers pas. Ce n'est pas quelque chose que je trouve que j'apprécie. Voilà, je n'arrive pas à m'en servir en fait. Moi, quand je m'en sers, je trouve ça moche. J'ai vu des cartes des personnes qui ont fait avec des washi et franchement, c'était vraiment super beau. Mais moi, je trouve ça fait moche et puis il colle pas. C'est aussi de la merde. Le truc qui s'enlève quoi. Au bout d'un moment, je me sers du truc, je rajoute de la colle, ça sert à rien, enfin, c'est de la merde. Moi, j'aime pas, je rachèterai pas. Il y a le papier 15-15, le fin là, qui est très fin de. Voilà. Je rachèterai pas parce qu'en fait, si on met. Oh, c'est trop mignon. Il y a une des pies sur le mur, elle marche normal, trop mignon. En fait, je ne rachèterai pas du papier 15-15 pour la simple et bonne raison que quand je mets de la colle, eh ben, ça gondole. Oui, ça rime. Ça rime. Donc, en fin de compte, il faut que je me sers du double face. Je m'en sers pas beaucoup, moi, du double face. C'est un peu chiant. Et je trouve le papier trop fin. Alors, oui, il y a des gens, je sais, qui ont de base ce papier. C'est pas pour le scrap, hein, il faut arrêter. De base, ce papier, c'est pour l'origami. Donc, je ne fais pas d'origami. Donc, quand je l'ai acheté, waouh, c'est beau. Et en fait, je ne m'en sers pas. Et quand je m'en sers, c'est immonde. Donc, j'ai dit plus jamais le papier 15-15 fin. Chez Action, chez Autre, c'est pareil. Et pour finir, enfin, on va dire avant-dernière, j'en ai parlé dans une vidéo, mais je ne sais pas si la vidéo, vous allez la voir avant ou après. La colle de chez Action. Moi, j'en ai acheté plus. 3, il me semble, si je dis pas de conneries, et les 3 faisaient que couler. Donc, je fermais le capuchon, ça coulait. J'ouvrais le capuchon, ça coulait. Donc, finalement, je perds de la colle. Alors que j'ai la colle de chez Alinès Takiglu, ça ne coule pas. Alors, oui, je pourrais garder enlever le cap ça et le mettre sur l'autre, mais je suis pas sûr que ça rentre, même au pire, non. Elle est plus chère, cette colle, c'est vrai. Elle est transparente, elle tient très bien,
elle a quelques secondes où elle ne tient pas, donc on peut bouger le papier ou autre, la découpe. Et après, elle tient parfaitement. Donc franchement, voilà, la colle de action, moi, je... Vraiment, non! Non, c'est non. C'est comme ça. Et pour finir, les perforatrices de chez Action. Vous allez me dire, pourtant elles sont belles. Ouais. Tu t'en sers. Parce que franchement, moi j'en ai. Moi j'en ai vendu. Hein. Je crois que je suis même pas sûr qu'elle en reste une. Hein. Ben, je m'en sers pas. Alors c'est très bien, ça me fait des coupes sur le moment. Un petit rond, c'est très bien. Je pense pas qu'on fait beaucoup des petits ronds tous les jours. Voilà, donc à la limite, on peut avoir un ensemble de dies ronds, ça peut être très bien. Il y avait les petits ballons, à un moment, je dis pas de conneries, mais ils sont tout petits comme ça, sur une carte, ça sert strictement à rien, tu le vois pas. Voilà, donc j'ai acheté ces perfos, mais en fait, je m'en servais pas. Donc acheter pour acheter, il n'y a aucun intérêt. C'est comme la dentelle. Ils sortent des nouvelles dentelles à des moments, je rachète pas, j'en ai plein et je m'en sers pas beaucoup. Alors si c'est pour avoir toutes les dentelles, toutes les couleurs. En fait, je me rends compte que je peux vivre sans. Et si je peux en vivre sans, ça ne sert à rien d'acheter. Donc là, la perfo, ce n'est pas parce que c'est de la merde, pas du tout, parce que franchement, elle est découpée très bien. Mais c'est plus qu'en fin de compte, ça ne sert à rien. Il y a une chose aussi, c'est les dies de chez Action au Noël dernier. Moi, j'étais très déçu. Alors, ils découpaient pour ma part très bien au bout de deux fois. Oui, il y a des techniques pour couper, machin, machin. Mais je vais pas mettre 5 ans pour découper un dice. Hein. Mais en fait, ce qui m'énervait, c'est qu'il y avait plein de petits morceaux. Donc, c'est assez chiant au final. Voilà, c'était plus par fainéantisme et par énervement contre des dice. Voilà les achats que je ne ferai plus chez Action. Bien évidemment, j'adore ben, merde. Les twin markers, j'en ai, ils sont vraiment top. Les blocs, tous ne me plaisent pas, mais une bonne partie me plaisent. C'est comme, j'achète pas aussi les feuilles, vous savez, les feuilles, les cardstock dans les blocs noirs. J'avais pas parlé. Hein. Je sais plus le mot, c'est pas belge, c'est l'autre. Moi, je sais plus ça. Et blanc, parce qu'en fait, dedans, il y a 10 pages de cardstock et c'est mieux d'acheter. Un paquet entier de castor. Je ne sais pas si c'est très français ce que j'ai dit et si vous allez le comprendre, mais ce n'est pas très grave. Donc voilà, après il y a des tampons qui sont très jolis. La machine découpe, elle est très bien. Elle n'est pas chère et franchement, elle est très bien. Ça n'a rien de mettre beaucoup d'argent. Moi-même, ma machine découpe, je m'en sers pas tous les jours. Hein. Franchement, voilà. Donc sincèrement, voilà mon petit avis à moi. Pas d'embrouille. Autrement, je te fracasse. Je rigole. Allez, je vais vous laisser. Et je vais aller m'occuper de la maison et je vais aller manger. C'est presque l'heure du repas. Donc à midi, c'est du boulgour, œuf dur et je ne sais plus, je crois qu'il y a de la tomate. Et il y a des haricots verts, je ne dis pas de bêtises. Je ne me rappelle plus. En fait, j'invente, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a du boulgour et je ne sais plus quoi. Je verrai bien. Bon, allez, je vous laisse. Passez une très bonne journée. Je vous fais des et bisous, à bisous, bisous!